one I can be without. You have me hooked to your side, can't seem to control anything I do. My reign seems over and I don't know if I like it better the way it is now that I'm not the king of anything. Since I fell for you, all out of ways to escape them. I'm restless, have been since we first met. The downfall of all of my glory. Careful for all the things you wish, for good meaning that your life won't be the same. I'm not the king of my life, overthrown by the one I can't be without. You have me hooked to your side, can't seem to control anything I do. My reign seems over and I don't know if I like it better the way it is now that I'm not the king of anything. Voilà maintenant le dessin terminé, ça ressemble à peu près à ce que j'avais imaginé, ce qui est plutôt cool. Maintenant pour vous parler un petit peu plus en détail de pourquoi j'ai fait ce dessin, en fait j'ai voulu réaliser une œuvre qui était déjà vue et cliché, c'est-à-dire du coup des baleines qui nagent dans les nuages. C'est quelque chose qu'on a déjà vu quelque part et j'ai voulu le reprendre à ma sauce avec la technique du coup du mix média qui est du coup tout simplement de mixer des médias. Alors par exemple, vous l'avez vu dans la vidéo, j'utilise d'abord de l'aquarelle, de l'acrylique, des colorex, des feutres Posca jusqu'à aller même à des chiffons et mes doigts. Voilà voilà. Le tout donnant donc un dessin en quelque sorte déjà vu, revisité par la technique. Du moins c'est ce que j'espère. J'ai d'ailleurs voulu faire apparaître dans la vidéo, et j'espère que vous l'avez remarqué, un changement brutal entre la peinture qu'on va dire traditionnelle et la peinture qu'on va dire un peu plus osée. Ça se voit donc par le changement de musique au début de la vidéo, au moment où je commence à utiliser les mouchoirs pour tout salir. Alors à ce propos, on peut faire la remarque de pourquoi j'ai pas utilisé cette technique de salissure avec le mouchoir ou avec les doigts tout au début pour faire en quelque sorte un fond à la peinture. C'est parce que j'avais envie de vous montrer, encore une fois, parce que du coup j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, que même si on salit, dégrade, détruit totalement un tableau, on arrivera quand même à avoir un résultat final qui peut nous satisfaire et qui est joli quoi, esthétique. Voilà, c'était la petite conclusion en vous disant que du coup expérimenter et découvrir tout un tas de nouvelles techniques, c'est toujours bénéfique pour apprendre et progresser, voilà, je cherchais le mot. J'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager à votre entourage. Je vous souhaite un bon abonnement et de souscrire à une bonne journée. Salut tout le monde.